Je pense que tout le monde dit la même chose. À la fois, soyons attentifs à la difficulté de la mission des policiers. Et je pense à nouveau qu'il est important de leur rendre hommage pour le travail, l'engagement exceptionnel qu'ils ont montré à l'occasion des violences urbaines. Il ne commente pas les propos polémiques du patron de la police nationale. Comment qualifiez-vous la réaction du chef de l'État hier ? Consternante. Consternante d'abord parce que vous venez de le dire, le chef de l'État a exprimé une émotion. Bah, tout d'abord, c'est une promesse et on est habitué maintenant aux promesses d'Emmanuel Macron. Hein. Souvenez-vous, il nous avait promis une augmentation de 10% pour l'ensemble des enseignants et finalement, on n'aura que 5% en moyenne et la plupart à partir du milieu de carrière, 2% seulement. Il ne faut pas, qu'à l'occasion de ce débat, qu'à l'occasion de cette agitation de quelques jours, il ne faut pas faire le procès de la police. La police en France est une des polices les plus surveillées, les plus contrôlées du monde entier. Ce que font les députés insoumis. Hein. Parfois, oui, et c'est regrettable. En les traitant de factieux, notamment. C'est absolument insupportable. Les mêmes députés qui sont bien contents que la police les protège quand c'est nécessaire. Donc il ne faut pas faire le procès de la police. Dans le même temps, il ne faut pas tirer des conclusions générales d'un dossier ou d'un cas particulier. Il y a un principe de séparation des pouvoirs, nous le respectons, je le respecte évidemment. On va donner la parole à Benjamin Lucas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de Jean-Michel Fauvergue, des magistrats spécialisés pour ces affaires-là concernant les policiers ? Bon, d'abord, si vous me le permettez, je trouve que M. Fauvergue comme M. Emmanuel Macron sont assez pétochards dans cette affaire puisqu'ils cherchent à décaler le débat, qui est quand même, pardon d'y revenir, mais ce qui se passe est pour notre démocratie extrêmement grave et c'est pas juste la gauche, les syndicats, etc. qui devraient s'en émouvoir, ce sont tous les républicains. Est-ce qu'il peut vraiment décemment signer en Arabie Saoudite Mbappé ? Est-ce qu'on le voit partir là-bas ? Quel est le niveau réel de ce championnat, Kevin Vassière ? Aujourd'hui, ça semble quand même compliqué de voir Kylian Mbappé signer en Arabie Saoudite. Hein. Effectivement, l'Arabie Saoudite a commencé à attirer de nombreux joueurs, de nombreuses stars, notamment avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mmh. Mais on sent qu'en tout cas, Kylian Mbappé, son choix de carrière est plutôt porté vers le Real Madrid. Appel lancé à Emmanuel Macron. Puisque vous évoquez le président, il y a 2 ans, il s'était immiscé dans les négociations contre Kylian Mbappé et son club, le PSG, en disant à la star du PSG, je veux que tu restes, tu es tellement important pour le pays. Il se trouve qu'il y a une offre actuellement des Saoudiens qui sont prêts à faire jouer Kylian Mbappé dans leur club, Al Hilal, pour 300 millions d'euros. Est-ce qu'il faut, coûte que coûte, garder Kylian Mbappé à Paris ? Bah ça, c'est une question qui est posée au PSG. C'est jamais trop tard. Plus on retarde et plus difficile sera l'adaptation. On ne sait pas s'adapter à un monde qui est 4 à 5 degrés plus chaud que maintenant. Surtout, on est doué de connaître déjà les solutions pour atténuer ce changement climatique, ce dont les autres espèces ne sont pas douées. Et puis, c'est nous aussi les premiers responsables du changement climatique. Donc, pour moi, notre responsabilité, elle est sans équivoque. Et elle est surtout le premier moteur qui veut nous faire tout de suite limiter le changement climatique. Les vacanciers se réfugient sur une plage. Les flammes lèchent leur résidence hôtelière. La scène se passe à Béjaïa, dans le nord-est de l'Algérie. Résident de l'hôtel, ce père de famille lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. De violents incendies font au moins 34 morts en Algérie. L'Algérie fait face à une canicule intense. Des pics de température à 48 degrés ont même été relevés dans certaines régions. Conséquence, la végétation s'assèche et le pays est en proie à des incendies. On s'est échappé de la résidence et on a réussi à se réfugier là sur un rocher. Ici avec ma femme et mes enfants, il y a toute la fumée noire et toute la chaleur qui vient sur nous. Toute la région est en proie à de violents incendies. 97 départs de feu ont été enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi. Au moins 34 personnes sont mortes, dont 10 militaires dans le nord-est et 1500 personnes ont été évacuées. Attisés par des vents, les feux se sont propagés vers la Tunisie voisine où les températures ont atteint 50 degrés. Vous voulez garder une espèce d'anonymat ? C'est mieux. Vous êtes mis en arrêt, ça veut dire quoi précisément ? Ben moi, je me suis mis en CMO. Ça fait maintenant 5 jours que je suis en arrêt de travail parce que il faut dire stop à un moment donné par rapport à ce qui arrive à notre collègue marseillais. Moi-même, travaillant sur Marseille, nous trouvons inacceptable le traitement que nous avons devant la justice. Dans les rues d'Israël ce lundi, des hordes de manifestants. La police a beau tenter de les disperser avec des canons à eau tout au long de la journée, rien n'entame leur détermination. C'est un peu plus tôt à la Knesset que tout se joue. Il faut arrêter. Oui, ça c'est vrai que c'est étrange. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans, on le voit quand même. Il a raison, voilà, c'est juste pour calmer les choses, pour acheter la tranquillité de la population marseillaise, parce que les émeutes reprennent. On met un collègue en détention, tout le monde est content.
Des élus d'opposition affichent leur désaccord. Ils quittent la session parlementaire avant le vote d'une loi judiciaire controversée, contre laquelle ils ne peuvent rien, face à la majorité d'ultra-droite au Parlement. Mais nous ne sommes pas contents. Alors si c'est ça le motif, là ça peut choquer. Bah, on a beaucoup dit qu'on avait mis, celui qui a tué Naël en prison pour calmer et faire retomber la pression. Un amendement, le premier d'une série de lois voulues par le gouvernement de coalition de droite du Premier ministre Benyamin Netanyahou et qui vise à réformer les tribunaux du pays. Le texte limite la possibilité de la Cour suprême à annuler certaines décisions de l'exécutif qu'elle jugerait déraisonnables. Un dispositif que les manifestants qualifient de dérive antidémocratique. Donc non, il reste encore des places tout à fait accessibles. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une exigence et un impératif que nous avions tous dans ce projet, c'était celui d'accessibilité tarifaire, avec ce million de places à 24 euros pour les Jeux Olympiques, et avec la moitié des billets à 50 euros. Et voilà, parce qu'il y a cette fourchette de prix, qu'on peut être au rendez-vous de l'accessibilité tarifaire aussi. Et je précise que dans cet effort d'accessibilité, l'État prend toute sa part. On a cette billetterie populaire avec 400 000 billets offerts pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment 260 000 billets offerts à notre jeunesse.